Retrouvez Raphaël Mesrahi tous les jours sur le Tour avec Vittel, le officiel du Tour de France. Bonsoir, c'est Raphaël Mesrahi pour iTélé sur le Tour de France. Et oui, le Tour de France, y a des admirateurs du Tour de France, on peut dire ça comme ça, et des admiratrices. Et là, on a rencontré un couple, vous appelez comment ? Potier. Potier ? Oui. Les Potiers avec leur chien qui s'appelle ? Titounette. Titounette, Titounette. Et la particularité, c'est qu'ils viennent de Toul, donc à 100 km de Vittel. Oui, oui, oui. Et vous dormez où ? Dans la voiture. Et comment vous faites pour dormir alors ? Bon, on étend le siège, mais il descend bien. Hein. On est drôlement bien, puis c'est un peu cuvette, on est bien bloqué dedans, on est bien. Hein. Et Titounette a son petit lit, derrière, qu'on lui emmène tout le temps. Est-ce que vous avez des chargeurs 6CD par exemple ? Non, on a des cassettes. C'est tout. On a des cassettes. Des cassettes, mais... mais vous avez l'auto-reverse quand même. Je ne sais pas suivi. Parce qu'ils disent qu'ils sont venus de Toul et qu'ils dorment dans leur voiture. Oui, ça j'ai entendu. Nous, on dort à l'hôtel. Comment ? On dort à l'hôtel. Parce que vous n'avez pas de voiture. Parce que j'ai pas de voiture. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme maladie pour quand on est à Vittel ? Ben, les rhumatismes, les maladies des reins. Mais... Est-ce qu'on peut avoir toutes les maladies quand on est à Vittel ou il y a des maladies qu'on ne peut pas avoir ? Non, je ne sais pas. C'est spécifique quand même. Ouais, mais enfin, là, le sujet est fini, donc on peut pas. Voilà. Ok. Bah, merci. Donc, c'était Raphaël Mesrahi sur le Tour de France pour iTélé. Au revoir. Au revoir. Retrouvez Raphaël Mesrahi tous les jours sur le Tour avec Vittel, le officiel du Tour de France.